de la vente du remdesivir, qui est un produit qui ne sert à rien et qui est dangereux à utiliser. Le confinement, lui, en revanche, est arrivé aussi au début de la chute brutale du nombre de cas, et ceci avait été anticipé par les dosages que font les pompiers dans les égouts, qui mesurent les augmentations et les descentes. Ils avaient pu voir l'augmentation avant qu'on la voie nous, ils ont pu voir la descente avant qu'on la voie nous. Et donc, on ne peut pas voir sur ces données d'effet des mesures sociales contraignantes sur l'évolution de l'épidémie, qui a donc d'autres raisons pour évoluer que celle-là. Et ce que l'on voit, c'est qu'en réalité, la fermeture des restaurants est arrivée au moment où la pente de la première scène du deuxième acte était en train de diminuer de manière spectaculaire, et qu'au contraire, elle a remonté avec la fermeture des restaurants. Donc on ne peut pas en conclure que les fermetures de restaurants aient aidé à contrôler la première partie. On voit que le nombre de cas est en train de s'effondrer à une vitesse étonnante, sans que nous, on ait changé nos paramètres de mesure, puisque nous utilisons les mêmes depuis le tout début, c'est-à-dire depuis janvier. Donc, depuis janvier, on teste de la même manière, on rend les résultats positifs avec le même niveau, c'est-à-dire le 35 CT. Et donc, on voit sur ce premier travail que le pic a été atteint vers la fin du mois d'octobre, et que depuis, ça n'arrête pas de descendre, et qu'on est passé du pic de cet épisode épidémique dans les gens qui venaient directement à l'IHU se faire détecter, de 219 à 26. Donc il y en a 10 fois moins maintenant, et la pente est en train de diminuer d'une manière absolument spectaculaire. Ceci se voit aussi si on est sur une plus grande échelle, c'est-à-dire là on teste à peu près 1500 personnes par jour. Là, c'est tous les prélèvements qu'on nous envoie des hôpitaux, de l'extérieur, etc. On voit que c'est exactement la même tendance, et on voit que ceci se traduit, avec un tout petit délai, ce qui est normal, dans le nombre d'hospitalisations qui décroît de manière très significative. Le nombre d'hospitalisations en réanimation est en plateau, mais c'est normal parce qu'il reste un certain temps en réanimation, mais on voit que ça n'augmente plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'entrées qu'il n'y a de sortie. Donc les choses paraissent stabilisées. Après, l'avenir est incertain. Mais globalement, ce qui est en train de se passer, c'est un peu avec une pente qui est un peu de même nature que celle du premier acte, une diminution très rapide du nombre de cas. Alors, ceci est confirmé. Il y a deux très jolis travaux qui sont à voir et à lire. L'un qui a été fait par Jean-François Toussaint dans Frontiers, et qui montre, vous voyez sur cette carte, quels sont les effets qui sont associés à une augmentation importante de la mortalité dans la population, et quels sont les effets qui sont protecteurs. Alors, ce n'est pas une surprise pour nous depuis qu'on commence à y réfléchir. C'est dans les pays les plus riches que la mortalité a été la plus élevée, une partie des pays dans lesquels les structures sanitaires étaient censées être les meilleures. Alors, bien sûr, il y a des cofacteurs, l'obésité, les problèmes d'une espérance de vie très longue, mais en plateau, le nombre de cancers, mais ça n'est pas lié au fait qu'il y ait un financement important de la santé. C'est paradoxal, c'est les pays dans lesquels il y a le financement de la santé le plus important, dans lequel il y a la mortalité la plus élevée. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus protecteur, c'est ce côté-là? Eh bien, c'est les gens qui... Il y a eu moins de morts dans les gens qui connaissent les maladies infectieuses. Ça, c'est la première fois qu'on le dit. C'est-à-dire, les gens qui ont encore un problème avec les maladies infectieuses savent gérer les maladies infectieuses, tandis que les pays les plus riches, pour qui ça a cessé d'être une priorité, ne savent pas le faire. Et donc, ça, c'est une vraie priorité dans les pays dans lesquels la mortalité par maladie infectieuse reste une cause importante de mortalité. C'est ce que les pays dans lesquels les maladies chroniques sont devenues les causes importantes de mortalité, manifestement, sont moins bien préparés à cet aspect-là. Et ce qu'on voit en haut, ça veut dire que c'est neutre, c'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose qui influence, c'est
les mesures sociales de contraintes et de leur effet sur le fait qu'il y ait plus ou qu'il y ait moins de morts. Donc on voit là-dessus, il y a un paradoxe que moi je souligne depuis longtemps, c'est les plus riches qui ont payé le tribut le plus élevé, et une des explications, c'est celle-là, c'est ceux qui ont le plus d'habitude des maladies infectieuses. Un autre travail que je vous recommande, qui est accessible aussi, qui est un travail, c'est deux collègues parisiens qui ont fait ça, hein, je ne suis pas que des Marseillais, non, je parle. C'est un travail qui a été fait par Vincent Jarlier, dont je parle souvent, et qui montre ces corrélations, où il a corrélé qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qu'on peut relier au nombre de décès, et quand on regarde, eh bien, ça n'est ni les mesures de contrainte, ni l'urbanisation, ni même le pourcentage de la population supérieure à 65 ans, mais c'est la précocité de la mise en place des tests diagnostiques, pour lequel nous avons eu un retard très important, sur lequel je me suis exprimé à plusieurs reprises. Donc si ce n'est pas les mesures contraignantes qui ont fait ça, si ce n'est pas la pauvreté, qu'est-ce que c'est ? Bien moi, ça fait un moment que je dis qu'en réalité, ça n'est pas la même épidémie à laquelle nous assistons depuis le début. Il y a des variants différents. Et par exemple, ici, c'est le premier variant que l'on a eu, qui s'est répandu dans le monde un peu partout. On a quelques cas sporadiques, mais pas plus. Il y a celui qu'on a appelé Marseille 1, qui a donné une petite épidémie ici en revenant par bateau du Maghreb. Et on va voir d'une manière très intéressante qu'il ne s'est pas implanté ici durablement, il a duré un mois, et il ne s'est pas implanté ailleurs en France. Donc c'est resté ici. Et ça, c'est très intéressant, puisqu'on va voir maintenant, les autres ont commencé à faire des génomes aussi, et donc on ne retrouve pas ce génome de Marseillien ailleurs qu'à Marseille. Donc c'est très intéressant. Ensuite, il y a ce Marseille 2 qui s'est répandu, on va le voir aussi ailleurs, et puis ce Marseille 4, dont on a l'impression que c'est celui dont on voit actuellement l'épidémie se diminuer, qui a causé notre deuxième partie de cette courbe très atypique, hein, en dos de chameau. Donc c'est qu'il y avait un premier épisode avec le Marseille 1, une confusion avec ce Marseille 2, et puis ce Marseille 4, qui a pris le dessus et qui a déterminé le très grand nombre de cas. Les gens nous disaient, vous savez, quand on est les premiers à dire quelque chose, les gens, certains, hein, ont l'habitude de dire que c'est pas vrai. Enfin, comme les gens finissent par faire les mêmes choses que ce qu'on avait fait avant, ils trouvent la même chose que nous quand même. Donc c'est très intéressant. Là, vous voyez, c'est enfin tous les génomes que l'on a en France. Et au moment où nous on a commencé à parler de ça, il n'y avait pas encore de disponible de génome de la deuxième épidémie. Donc bien sûr, personne ne voyait les variants que nous voyons. Nous, on a vu les variants et on voit que c'est pareil. Nous, celui que nous avons eu qui est le plus commun, c'est le 4. Et vous voyez que dans le reste de la France aussi, c'est le 4. C'est aussi celui qu'on trouve le plus en Europe. Et vous voyez, c'est celui qui s'est le plus répandu, dont on a l'impression qu'il est actuellement en fin d'évolution. Le deuxième qu'on voit le plus, c'est le 5. Et vous voyez que le 1, qui était celui qui nous a donné cette épidémie de juillet, arrivé en bateau, est resté à Marseille. On ne le trouve pas ailleurs. Vous voyez. Donc des phénomènes qui sont liés à des micro-épidémies dues à des variants. Et là, vous voyez par exemple ce variant que nous, ici, on avait identifié rarement comme étant Marseille 9. Ici, à Marseille, il y a très peu sévi, mais manifestement, il y a des gens qui en ont beaucoup séquencé de celui-là. Et donc, il y a des endroits dans lesquels il a été plus fréquent que ce qu'il n'a été ici. Donc voilà l'évolution des choses. Je pense que, comme on a maintenant plusieurs cas de patients qui ont fait une première infection avec premier variant du premier acte et qui ont fait une infection avec ce deuxième, avec le Marseille du deuxième acte, je pense que les gens vont être lucides sur le fait qu'il existe des variants, distincts, et qu'on peut faire une infection avec un deuxième virus très proche, qu'on appelle aussi le Covid-19.
Je ne sais pas si c'est le fait que l'immunité acquise est insuffisante pour protéger même contre le même virus, ou si c'est que cette immunité acquise contre un variant ne marche pas pour un autre variant. Et ce sera des questions qu'il faudra bien résoudre pour essayer de mettre un vaccin au point s'il y en a un qui se met en place un jour. Voilà. Les choses se clarifient. Dans plusieurs journaux très importants, dont un que j'ai mis en ligne sur le British Medical Journal, et plusieurs des gens commentent, et j'ai vu que même l'OMS dit ça, ne recommande plus le remdesivir, qui est un médicament qui ne marche pas. Je voudrais bien qu'en France, on en prenne acte aussi et qu'on arrête de recommander, perfuser le remdesivir, qui est un produit complètement inutile et qu'on met par perfusion pendant 10 jours, ce qui est dangereux. Il ne faut pas faire ça, il faut s'arrêter. Tout le monde le sait maintenant. Et je pense que petit à petit, les gens vont prendre la mesure de tout ce qui s'est passé autour du Remdesivir, parce que le scandale du Lancet Gate, qui essayait de faire croire que l'hydroxychloroquine était un produit toxique, n'était que l'autre face de la vente du Remdesivir, qui est un produit qui ne sert à rien et qui est dangereux à utiliser. Et donc, une fois qu'on aura mis les deux faces en face l'une de l'autre, eh bien, l'étendue du désastre apparaîtra à tout un chacun. Oui, d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est justement, vous voyez, une des questions qui est posée. Comment est-ce que c'est que cette histoire d'hydroxychloroquine? Il y a deux choses à voir dedans. Donc, puisqu'il a semblé depuis le début que il fallait absolument le problème de l'hydroxychloroquine, c'est que ça a empêché le développement du remdesivir, qui est le médicament de Gilead. Alors, pour vous mettre en phase, ce médicament est un médicament qui avait été mis au point pour traiter les infections virales et qui avait été testé sur Ebola, dans des études non randomisées, hein, bien sûr, c'était pas à l'époque, c'était pas la mode, et qui ne marchait pas. Donc on a dit, tiens, on va le recycler, là, c'est pas moi, hein, on l'a recyclé. D'ailleurs, moi, la première réunion que j'ai eue avec le conseil scientifique, il n'y avait qu'une chose à la bouche, et il faut essayer de tester le remdesivir. Très bien. Qui avait déjà commencé à être testé, parce que j'ai observé, puisque j'ai vu la discussion entre le directeur de Gilead et Yazdan Pada, qui se tutoyaient en se disant, tiens, je t'ai l'amnistie. Alors bien sûr, ça venait d'une insuffisance rénale, mais ça, on le savait. Donc devant moi, devant le président de la République. Donc je vois bien que c'était l'objectif. C'est comme ça que ça s'est passé. Si quelqu'un veut m'accuser de témoignage, je lui souhaite bonne chance. Donc moi, j'ai essayé d'introduire ce qu'avaient fait les Chinois. Les seules données qu'on avait, c'est l'hydroxychloroquine, c'est pas moi. Après, que les gens aient essayé de faire croire que je pouvais avoir des rapports de conflit d'intérêts avec Sanofi, qui, au contraire, avec qui j'ai les plus grandes difficultés pour avoir l'acheminement de médicaments, c'est pas raisonnable. Et puis, il n'y a qu'à regarder, mon ami Maraninki, sous les recommandations de Xavier Bertrand, a fait des déclarations de transparence que vous avez entièrement, vous n'avez qu'à les regarder. D'accord. Mais cette affaire a fait soulever incontestablement cette espèce de fanatisme pro-Gilead et pro-Remdesivir, a fait soulever incontestablement des questions de savoir pourquoi est-ce que tout le monde veut faire du Gilead. Ça a amené à voir que le nombre de gens qui avaient reçu l'argent en nature ou en argent par Gilead est considérable. Moi, c'est pareil, à peine ai-je parlé de la cyclochloroquine qu'un collègue m'a téléphoné la nuit, je finis par identifier qui c'était, de manière anonyme, pour me menacer du pire si je ne retirais pas que l'hydroxychloroquine pouvait marcher avant le lundi à 8 h du matin. Et donc après, je me suis rendu compte que c'est lui qui recevait le plus d'argent de Gilead. Alors peut-être que tout ça sont des coïncidences en France, hein, peut-être que tout ça sont des coïncidences. Mais si oui, c'est des coïncidences, moi je ne suis pas complotiste, hein, mais c'est des coïncidences qui finissent par être troublantes. Donc il y a quand même un rôle là. Donc je ne connais pas exactement l'importance, donc il faudrait bien que le pays se préoccupe et faire appliquer les lois, et que dans les temps à venir, le pays se préoccupe de faire des lois qui soient aussi rigides pour les praticiens qu'elles le sont pour les hommes politiques, par exemple, pour lesquels on a régulé ça. D'accord? Et donc, on voit que les conséquences de ça sont une colère considérable. Beaucoup de gens qui sont, d'ailleurs, des collègues qui sont en colère contre moi, sont dans cette situation, qui est facile à regarder, hein, sur Eurofordoc, de gens qui ont reçu, y compris cette société, la Société de pathologie de l'angle infectieuse française, qui est subventionnée de manière très très élevée par Gilead. Et vous savez, ceux qui disent, oh non, non, mais c'est juste de la bienveillance, tout ça, ils oublient cette réflexion de Milton Friedman, qui est un prix Nobel
d'économie qui dit qu'il n'y a pas de repas gratuit. Ne croyez jamais que quelqu'un qui vous invite à dîner n'a rien à vous demander en échange. C'est pas vrai. Alors quand là, c'est pas vous inviter à dîner, mais c'est vous donner des sommes pareilles, c'est qu'il attend quelque chose en échange et il a eu. Parce que quand même, c'est une des choses les plus belles que j'ai vues dans ma vie pour faire un film d'horreur. C'est que, vous voyez, ça, c'est un papier de Science du 23 octobre. C'est un journal américain, c'est le meilleur journal scientifique américain. Ils ne sont pas suspects, quand même, de ne pas aimer les produits américains. Et donc, ils disent, voilà, tous ces essais étaient très, très importants. Tous ces essais, on sait depuis février que ça ne marche pas, là, mais là, c'est octobre. Ils disent, voilà, tous ces essais sont très importants parce qu'ils ont enfin montré que le remdesivir ne marchait pas, quand même. Donc ça, c'est en octobre. Et en octobre, le même mois, la Commission européenne achète pour 1 milliard de remdesivir. On sait que ça ne marche pas. Et le remdesivir, pour mettre ça en perspective, c'est un produit qu'on donne par voie intraveineuse. Les voies intraveineuses, pendant 10 jours, d'accord, ça donne au moins 5% de complications graves. Thrombose, peut-être encore plus dans cette maladie dans laquelle on a des troubles de la coagulation, septicémie. Alors, on ne fait pas une perfusion pour rien. Perfusion, c'est un acte agressif, en particulier si on ne fait pas une perfusion d'une demi-heure. On fait une perfusion pendant 10 jours, c'est un acte agressif. D'ailleurs, il y a une véritable question qu'on va poser au comité d'éthique, c'est est-ce qu'il est éthique de faire des placebos par perfusion, c'est-à-dire de mettre à quelqu'un une perfusion alors qu'on sait qu'il n'y a rien dedans et qu'il prend des risques alors qu'il n'a aucun bénéfice à en tirer. C'est très grave de faire ça, puisqu'on sait que c'est dangereux. Et d'ailleurs, quand on regarde l'étude du New England qui disait que le remdesivir était un médicament merveilleux parce qu'il diminuait le temps d'hospitalisation, on voit qu'il y a 10% des gens qui avaient un placebo qui avaient des effets secondaires graves qui ont dû faire interrompre le traitement. Et donc, si placebo était une pilule de talc, vous auriez zéro effet secondaire grave qui aurait fait arrêter le traitement. Donc ça veut dire que on a pris la responsabilité de perfuser des gens avec quelque chose dans lequel il n'y avait rien, mais le risque, simplement pour faire un essai, alors que vous n'auriez pas mis de perfusion du tout, pas mis de placebo du tout. Si vous mesurez juste la mort ou la charge virale, vous n'avez pas besoin de simulacre. Ce n'est pas des choses que les placebos modifient. C'est juste de l'adhésion à une espèce de mécanisme automatique qui a été imposé au fur et à mesure par l'industrie pharmaceutique. Et maintenant, juste après que tout le monde se soit mis d'accord sur le fait que le remdesivir ne sert à rien, eh bien, on reçoit du ministère de la Santé, du directeur général de la Santé, une lettre qui nous dit « Maintenant, vous pouvez utiliser le remdesivir quand vous voulez, c'est gratuit, on en a tant que vous voulez. Vous pouvez donc mettre des perfusions pendant 10 jours avec un produit qui ne sert à rien et qu'on a acheté. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser l'hydroxychloroquine, qui est un médicament que 2 milliards de personnes ont pris dans leur vie et qui n'a pas donné d'effet secondaire, à part essentiellement des problèmes oculaires quand on prend ça pendant plus d'un an. » Donc, si vous voulez, il y a quand même là un problème de fond, qui est la raison pour laquelle nous, on a porté plainte, et puis j'irai jusqu'au bout. Il y a un autre problème que je veux comprendre, c'est pourquoi l'ANSM n'a pas donné l'autorisation de poursuivre l'essai Discovery qui avait été commencé, pour lequel l'INSERM recommandait qu'on reprenne l'essai Discovery, mais j'ai les documents qui montrent ça, alors qu'on avait compris qu'il n'y avait aucune toxicité. Donc, il y a un vrai problème de l'obsession du remdesivir qui a tourné une contre-obsession contre l'hydroxychloroquine et qui, nous, encore une fois, on a traité, je ne sais pas combien, maintenant 10 000 personnes avec l'hydroxychloroquine, rien vu du tout. Enfin, on le savait, il y a 2 milliards de gens qui ont pris ça. Moi, j'ai pris la chloroquine quand j'étais petit en Afrique. Si d'ailleurs une espèce d'un de mes collègues dit c'est affreux, j'ai convaincu les Africains de prendre l'hydroxychloroquine. Les Africains, d'abord, c'est honteux de penser que les Africains ne pensent pas par eux-mêmes. C'est les gens. Celui qui a dit ça n'a pas le niveau de Mouyoumbé, qui a à la fois éradiqué la variole dans son pays, découvert Ebola, qui maintenant est en prise, en lutte avec, parmi les plus grandes épidémies, le choléra, Ebola, qui est une star de la science mondiale. Il n'est pas du niveau de Mboup qui a participé à la découverte et à la prise en charge de l'infection par HIV2 au Sénégal. Il n'a pas le niveau de publication
Cher-Sortna, qui fait partie de notre unité au Sénégal. Donc cette vision-là, là, c'est une vision de Tintin au Congo. Là. Non, mais il faut arrêter. C'est pas Tintin au Congo, c'est fini. C'est une autre époque, ça, c'est les années 20, c'est fini. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas dire, écoutez, les Africains ne sont pas capables de décider par eux-mêmes. C'est Didier Raoult qui... Je ne suis pas Tintin, et on n'est plus à Tintin au Congo, là. Donc les Africains, ils se foutent de nous, parce que les Africains, ils utilisent l'hydroxychloroquine, comme tous les pays tropicaux, et la chloroquine, et ses dérivés depuis... des décennies, et quand on leur dit c'est un médicament qui en 10 jours tire 10% des gens qui le prennent, ils rigolent, mais alors ils rigolent comme des fous. Hein. Donc il faut faire attention là, encore, pas se laisser emporter par ces folies, là, ces passions, et rester à un niveau raisonnable, parce qu'on a dépassé là les niveaux raisonnables, et là encore une fois, à partir du moment où moi je suis mis en cause de manière nominale, bien sûr je porterai plainte, et vous savez, ces plaintes dureront le temps qu'elles dureront. Mais ça, c'est vraiment des phénomènes qui sont à la fois racistes et diffamatoires, hein, qui ne sont pas acceptables. C'est absolument pas acceptable. Donc voilà où on en est. Il y a, encore une fois, je confirme, quoi que disent un certain nombre de journalistes mal informés, qu'il y a à peu près 4,5 milliards de gens qui vivent dans des pays dans lesquels c'est recommandé ou accepté de traiter le Covid par de l'hydroxychloroquine, et qui ne sont pas plus bêtes que nous. Il faut arrêter, c'est du racisme brutal. Hein. Il faut arrêter. Et que d'autre part, il y a plus de 100 études qui ont été publiées actuellement sur l'hydroxychloroquine. Et ça continue. Nous, notre dernière étude publiée, celle sur les EHPAD, où on montre qu'on diminue la mortalité par deux en les traitant par hydroxychloroquine plus azithromycine. On passe de 27% à 13% de mortalité. C'est publié, c'est online, tout le monde peut y accéder. Donc il faut arrêter les gens qui ne publient pas. Je suis, avec mon équipe, ceux qui publient le plus dans le domaine du Covid-19. De loin. Ceux qui sont derrière nous, l'équipe qui est derrière nous, c'est l'équipe des jeunes de RL qui est très dynamique parce que cette histoire d'anosmie a bien entendu mobilisé les énergies et qu'ils représentent l'avenir. Ces gens sont jeunes, dynamiques, pleins de jus et sans a priori, ils sont en train de découvrir une partie de l'atteinte des nerfs olfactifs, ce qui nous permet de sentir les odeurs, et gustatives, ce qui nous permet de reconnaître les goûts. Ils font un travail magnifique, merveilleux. Et ils publient, bien sûr. La science, c'est pas de parler à la télé. La science, c'est de faire des publications dans les meilleurs journaux. Et nous, je peux vous dire, on a publié dans tous les meilleurs journaux de maladies infectieuses. 100%. Donc, pour arrêter, il y a ceux qui font de la science, ceux qui, à un moment ou à un autre, s'autorisent, ou pensent qu'ils ont une autorité qui les autorise à dire la science, mais la science ne se fait pas comme ça, ça n'est pas la pratique scientifique, ça n'est pas le temps scientifique. Le temps scientifique, il est sédimenté par la réalité de la production scientifique vérifiable, et pas autre chose. Et pour finir, de manière à ce que un certain nombre de calomnies qui se diffusent, pas officiellement, parce que je pense que les gens ont raison de se méfier, bien sûr, nous allons faire ce que la plupart des gens ne font pas, nous allons mettre à disposition pour toutes les équipes scientifiques qui voudront notre première énorme étude sur 3700 personnes pour que les gens puissent aller regarder toutes les données, y compris fouiller des données que nous n'avons pas fouillées, vérifier nos données, parce que bien sûr, nous, ce qu'on veut, c'est que ce que l'on dit soit vrai, parce que le principe de la science, surtout à mon âge, je fais 3500 publications, je ne vais pas m'amuser à faire des publications fausses, je ne vois pas très bien le bénéfice que j'en tirais, c'est idiot. Donc, ce qu'on veut, c'est que ce qu'on dit soit vrai et stable dans le temps, c'est ça qui m'intéresse. C'est l'avenir qui m'intéresse, c'est pas aujourd'hui que les uns et les autres soient en colère, ça m'est égal. Donc, encore une fois, il faut se calmer, il faut revenir à la raison. Il faut laisser la place à la science, de la science aux scientifiques, aux gens qui font la science, praticiens de la science, la médecine aux praticiens de la médecine, d'accord. Il faut se calmer, il faut ramener tout ça à un niveau de tension qui soit raisonnable, parce que je trouve que les signes que je vois associés maintenant à cet état de tension sont inquiétants. Donc c'est pas l'épidémie, moi, qui m'inquiète, hein, c'est l'état de tension de la société qui est trop stimulée, trop inquiète. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup plus. Je suis beaucoup plus inquiet, pas mature à trinquer, qu'il y a des gens qui commencent à écrire qu'il faut envoyer une voiture bélier pour me tuer, que j'ai peur de mourir de Covid. Hein. Donc il faut faire attention, il ne faut pas manipuler trop la peur des gens. Il ne faut pas le faire. C'est très dangereux.